Avant que la vidéo commence, sachez que demain, mardi, à 21h, reprise du RP en live, les gars. Oui, on va reprendre le RP. Si jamais vous voulez faire recruter, il y aura le lien en description. Et à demain, 21h, pour le nouveau perso en RP. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Onil, et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un parcours en roquette voltique. Et oui, la roquette voltique qui est plutôt hard, plutôt compliquée, puisqu'il faut savoir la gérer. Surtout que là, on est dans un parcours assez compliqué, les gars. Voilà, je vous dis assez compliqué. Mais on va essayer de faire un beau gameplay, les gars. Alors, je ne vous garantis pas forcément un truc de ouf non plus, mais je vais essayer de gérer quoi, du tout. Je vais essayer de pas faire n'importe quoi dans ce parcours. Essayer d'avoir un maximum de points assez bien, assez parfaitement. Et déjà, le premier point, il est obtenu du premier coup. Donc, ça, c'est plutôt bien. Ok. Ensuite, on a derrière un autre petit point. Ok. Alors, faut bien analyser les points, faut pas faire n'importe quoi, faut vraiment utiliser le boost quand il faut utiliser le boost quoi, genre voilà, tu vois là tu peux l'utiliser, tu peux te permettre, et surtout n'hésitez pas à utiliser votre frein à main, ça c'est très important, utilisez le frein à main les gars dans les trucs là. Ok, ok, donc là hop je fais respawn, le deuxième point c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a après? Oula, je sais pas s'il faut aller un peu fort ou pas. Ok, je vois le point, il est là. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Je pense qu'il y avait moyen d'y aller d'un coup. J'ai peut-être un boosté un peu trop. Ouais, je pense que je dirais j'ai boosté un peu trop tard. Mais ça va, on est collé. Par contre, là, il veut pas sauter. Ok, c'est bon. Ouais, j'ai boosté un peu trop tôt ou trop tard, je pense. Ok. Tout doux. N'oubliez pas de bien mettre le joystick en arrière à chaque fois. Il faut vraiment gérer le truc. Si vous mettez pas votre joystick bien en arrière quand vous boostez, bah vous allez pas avoir d'amplitude. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, hop, on a de l'amplitude, on est plutôt bien. Je pense que j'ai même un peu trop d'amplitude là, les gars. Fallait peut-être pas que je booste. Fallait peut-être pas que je booste, je pense. Je pense que là, faut juste booster là. Ok. En fait, là, tu boostes. Et là, du coup, tu reboostes. Et je pense qu'on est pas mal. Voilà, on est bien les gars là. Là on est pas trop mal non. Ok. Le point c'est bon. Ok. Tranquille les gars, on va essayer de bien gérer le parcours. De pas faire n'importe quoi. Ok, j'ai encore. Oula. Ah oui. Ok. Ici les trucs là j'aime pas du tout. Enfin j'aime bien mais ça dépend. Ça dépend où. Ok, je suis bien. Ok, là, ça va, par contre, là-bas, il va falloir rentrer dans un tuyau. Allez, aïe, 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 voilà. Vous voyez, là, il était un peu trop lent. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que lui, tu vois, genre, lui, ça passe. Bon, là, tu peux y aller limite sans booster. Je vais booster quand même, mais tu peux y aller sans booster. Lui, pareil. Pas trop besoin de booster un tout petit peu. Par contre, lui, un peu plus compliqué, je pense, voilà, fallait juste un booster un peu plus. Ouais, fallait juste booster un peu plus haut. Bon. J'aurais pu passer du premier coup en vrai, mais disons qu'il faut pas non plus précipiter. Ok, on a eu le point tranquillement, les gars. Maintenant, on va voir ce qu'il en est après. Alors, ça s'est passé comment? En vrai, je pense qu'il n'y a même pas besoin de booster. Ouais, je pense qu'il n'y a même pas besoin de booster. J'ai boosté, mais je pense qu'il n'y avait même pas besoin de booster. Bon, j'ai eu le point, par contre. Ouais, j'ai eu le point. Je pense qu'il n'y a pas besoin de booster. Tu vois, c'est pas comme la Scram Jet, on peut pas arrêter le boost, c'est ça qui est chiant un peu. Non! Aïe, 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 aïe. J'ai peut-être boosté un peu trop tôt. Ah! Ouh, attention, eh, les gars. Bah, moi je dis pas non. Ok, je pense qu'on a juste à faire ça. Et là, du coup, hop là. Et on a eu point. Voilà, nickel, les gars. C'est du nickel. C'est du easy, c'est du easy, c'est du easy. Bon, en vrai, je pense que si vous voulez vous entraîner en Rocket Voltique, c'est absolument ce genre de parcours qu'il vous faut, les gars. Parce que ça sert à rien de faire de la Rocket Voltique dans des parcours pas trop hard ou quoi, là j'aurais peut-être boosté un peu. Ouais, sinon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Heureusement que j'ai mis le joystick en arrière.
Faire quoi là? Voilà, ouais, c'est haut. Donc là, regardez comment je fais. Vous voyez le joystick, comment je l'ai mis? Bien en arrière et on a le temps du premier coup. Technique de la salle, tout simplement, les gars. Si vous suivez enfin, si vous regardez la salle dans ces vidéos ou si vous regardez mes roquettes voltiques, défis à moi, enfin mes courses en roquettes voltiques, et quand la salle me coach, fait un spec sur moi, eh bien, bah, c'est un peu assez simple, j'ai envie de dire, quand vous l'écoutez. Et vous suivez bien ce qu'il fait dans les vidéos, vous regardez bien, vous écoutez bien, et bien après vous avez juste à appliquer, mais bon, il faut quand même un peu d'entraînement derrière, je pense. Peut-être un peu trop fort là, ouais. Ah, quoique. Ok, je pensais, j'allais respawn. Hein. Heureusement que j'ai pas respawn. Ok, donc ça, je me rappelle, on l'avait déjà eu dans un parcours. Je sais pas si je vais avoir le point. Non, non, peut-être pas du premier coup. Ok, je j'ai pas peut-être pas un peu jugé comme il fallait. Ok, je pense que là je suis pas trop mal, peut-être un peu trop, je pense. Ouais, un peu trop. Oh ouais, un peu trop. Peut-être qu'il y avait moyen d'atterrir sur le truc en vrai. Hein. Allez. Là, peut-être un peu trop bas. Voilà. Vous voyez, en fait, faut avoir le juste milieu. Mais tu vois, moi, des fois, je stresse un peu dans ce genre de truc. Je pense que là, je suis bien. Ouais, là, c'est pas mal. Je pense que je stresse un peu. Voilà, c'est bon, j'ai le point. Je stresse un peu, du coup, des fois, je fais un peu pas assez d'élan, un peu beaucoup parfois. Donc, ça dépend. Mais en vrai, je sais pas trop. Mais en tout cas, on va essayer de faire moins de 10 minutes. Je sais pas quand est-ce que c'est la fin, mais. C'est à moins de faire moins de 10 minutes, ça peut être pas mal en vrai. Sachant que je me suis pas mal amélioré, dites-moi dans les commentaires si je me suis amélioré ou non en Rocket Voltique. Parce que franchement, le level que j'avais avant, c'était assez catastrophique. Et surtout, aussi un truc, si je peux vous conseiller, n'hésitez pas à utiliser votre. Utiliser à votre frein à main, les gars. Et surtout, vous le mettez sur croix. Parce qu'il y en a beaucoup qui le laissent sur R1, mais je pense que le mieux. C'est de le mettre sur croix, comme moi. Et la salle. Ok. Parce que si vous ne le mettez pas sur croix. Bah. Oula. Oula, oula, je fais n'importe quoi. Là, je perds du temps pour rien. Vous voyez, ça, ce genre de truc, c'est des trucs qu'il faut pas faire. Parce que vous perdez du temps. Et si jamais vous avez envie de battre des records du monde ou battre votre record personnel, bien. Bah, vous dégommez tout seul, quoi, en gros. Ok. Je pense que je suis pas trop mal là. Ouais, j'aurais pu booster un peu plus. Puis prendre de. Enfin, des fois, faut pas avoir peur aussi de prendre des risques. Hein. Ok, je suis pas trop mal là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je gère assez bien le parcours. Je vous mettrai bien en description pour ceux qui veulent tester. Les gars, si jamais vous avez envie de vous améliorer ou quoi, bah n'hésitez pas. Voilà. Ici c'est easy. What the fuck, c'est quoi après là? Ok. On a 8 minutes, je sais pas quand est-ce que c'est la fin. 2 minutes, il reste à peu près. Enfin, 1 minute 50 pour finir. Ok. Ok, frein à main, regardez comment je l'ai géré. Allez, on va essayer d'avoir du premier coup. Regardez le joystick, comment je l'ai mis bien en arrière, les gars. Bien en arrière, et vous avez le point direct du premier coup. Ça, c'est important, les gars. Si vous mettez pas votre joystick bien en arrière, regardez, je vais le faire encore une fois là. Bien en arrière, regardez comment il est. Bien en arrière, et là, on n'est pas trop mal. Et vous même avoir le point d'un coup. Et regardez, hop, c'est. Franchement, quand vous mettez votre joystick bien en arrière, c'est trop simple en fait. Pour atteindre les trucs un peu loin, je parle. Allez, on va essayer d'enchaîner. Oh, on est pas mal. Ok. Ok. Putain, mais je suis trop chaud en fait, moi. En fait, je suis beaucoup trop chaud en raquette voltique, les gars, maintenant. La salle, c'est quand tu veux, hein. La salle, quand tu veux, je te prends. Eh bien, écoutez, j'ai fini en moins de 10 minutes. Magnifique. Franchement, j'aurais.
jamais pensé faire ce temps-là. J'ai plutôt géré, demander dans les commentaires si je me suis amélioré. Et puis voilà. N'oubliez pas que ce soir, on sera en live.